Bonjour. J'ai décidé de faire la question du tag questionnaire de Proust. Alors, première question, eh bien, quel est mon trait de caractère? Ben, mon trait de caractère, c'est la gentillesse et gentillesse. Et comme vous pouvez le constater, l'enthousiasme. Je suis très enthousiaste et ça, c'est un peu fort parce que autant je peux monter, autant si je suis malade, je descends très très bas. La qualité que je préfère chez un homme, la deuxième question. Ben, en fait, c'est la fidélité, c'est primordial pour moi, la fidélité, la sincérité, et aussi qu'il ait une pointe d'humour, parce que moi, j'ai beaucoup d'humour. Ah oui, excusez-moi, je viens de mettre un pansement parce que je me suis coupée, j'ai voulu couper un avocat, et j'ai acheté, vous vous rappelez, j'avais acheté à je sais plus où, à Leclerc, un truc en céramique, et je me suis grave coupée avec, donc ça coupe grave le couteau en céramique, faites très attention. Donc, l'humour, la sincérité et la fidélité. Troisième question, la qualité que je préfère chez une femme, la sincérité, la loyauté et principalement aussi ce que j'ai... Bon, pas, tout le monde n'est pas comme moi, mais la joie de vivre. J'ai besoin de quelqu'un qui soit dynamique. Bon, c'est parce que j'aime bien apprendre sa connaissance, tout ce qu'elle connaît, voilà. Donc, je dirais la sincérité, la loyauté et surtout pas l'hypocrisie. Voilà. Ce que j'apprécie le plus... chez mes amis, ben leur présence, qui sont avec moi, qui sont disponibles, que ce soit, attendez, j'ai un petit souci avec mon ordinateur, c'est une catastrophe, vous voyez, là je suis patiente, mais des fois ma patience a des limites, il me fait des slash, voilà, monsieur me fait des slash, il aime ça, cet ordinateur, je crois que je vais le changer. Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait des slash en continu. Donc, je suis obligée de les enlever. Donc, excusez-moi. Donc, j'apprécie la présence, leur disponibilité. Ce sont des personnes précieuses, qui sont vraiment très précieuses pour moi et qui sont dans mon cœur. Et moi, ma devise, je vais la dire, mais ce n'est pas grave, c'est à la vie, à la vie. Voilà, pas à la vie et la mort, à la vie, et point. Mon principal défaut, le problème, c'est que je suis impulsive. Je suis trop impulsive. Des fois, je fais des choix. Je ne devrais pas faire des choix comme ça aussi rapides, notamment un choix particulier que j'ai fait dans mon passé, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans. Et du coup, je regrette. Si la personne m'écoute, je regrette 1000 fois mon impulsivité. Voilà. Mon occupation préférée, peindre. Et puis écrire sur mon blog, sortir. Mais surtout la peinture et en ce moment les vidéos, parce que j'adore, je fais beaucoup de vidéos, c'est vraiment une passion pour moi maintenant. Mais même au-delà de la peinture, parce que j'ai un peu délaissé la peinture, mais il va falloir que je m'y mette vraiment à la peinture. Je vous ai promis que je vous ferai une vidéo de mes peintures, mais c'est un peu compliqué parce que j'en ai énormément et il faudrait que j'organise ça et c'est pas facile. Je le ferai, promis, je le ferai. Et bien sûr, écrire sur mes blogs, parce que mon blog, ce soir on va se marrer, blogspot.fr, j'en profite pour de la pub, parce que vraiment je l'adore ce petit blog. Mon rêve de bonheur. Pouvoir écrire des articles qui seront suivis par certaines personnes sur mon blog, être un peu reconnue par rapport à l'écriture, promouvoir des jeunes artistes que j'ai déjà fait plusieurs fois, organiser des sorties avec des artistes, avec des gens pour aller voir leur spectacle. Voilà, ça je l'ai déjà fait et j'adore. Quel serait mon plus grand malheur? Alors, je ne vais pas dire de perdre ma famille, je ne vais pas dire de perdre mes amis, je ne vais pas dire parce que ça, c'est évident. Je vais dire tout simplement, je vais parler pour moi, je vais dire perdre les paroles et la voix. Voilà, parce que sans voix, sans parole, c'est compliqué pour moi. J'ai besoin de m'exprimer, je parle avec les mains, je suis d'origine un peu, enfin non, je ne suis pas vraiment d'origine, mais si. Pieds noirs, italienne, un peu tout, quoi, voilà. Donc, je parle avec les mains. Ce que je voudrais être. Qu'est-ce que je voudrais être? Cendrillon? Oui, Cendrillon, car on rencontre le prince vraiment. Non, je l'ai déjà rencontré et j'ai fait des bêtises. Non, tout simplement, je rigole, mais Brigitte Macron, première dame de France. Pas du tout. Moi, tout simplement, je suis comme je suis et puis voilà, quoi. Donc, je ne veux pas être une autre personne. Ma mère, elle m'a fait telle que je suis. Merci, maman. Et voilà, et je suis moi.
Le pays où je désirais vivre. Alors, l'Italie, le Portugal, les Seychelles. Et un petit message en passant, mais la personne va comprendre si elle regarde. J'espère qu'elle regarde. L'île du Gosier. Voilà, j'ai plein de petits messages en passant. Hein. La couleur que je préfère. Bon, alors là, effectivement, c'est rose et blanc, mais il y a beaucoup de couleurs, mais principalement le violet, le mauve et le noir. Je suis en hiver, je suis tout le temps en noir et en blanc. Noir et blanc. Noir avec des petits points blancs. Oui, peut-être il y a un petit souci là, mais. La fleur que j'aime, l'orchidée, bien sûr, j'adore, il y en a là, j'adore les... Bon, les fausses, hein, c'est Action. Hein. Je l'ai payée combien? Si on tant qu'à faire, j'ai dû la payer 6,90. Ouais, c'est ce que j'ai dû payer à peu près, 6,90. Alors, attendez, parce que je regarde les questions, parce qu'en même temps je suis, je sais même plus où j'en suis. L'oiseau que je préfère. Ah bah oui, c'est un oiseau de toutes les couleurs, qui ne boit que du nectar, de la pêche, du nectar de pêche, et qui comment dire, et qui monte sur vous, qui fait plein de petits trucs trop rigolos, c'est vraiment que du bonheur, moi j'adore, ça s'appelle un lory, voilà, c'est multicolore, ça fait un bruit mais pas possible, mais c'est magnifique. Ça, c'est ce que j'aime. Attendez, je regarde en même temps les questions. Parce que comme je vous dis, j'ai des slashs tout le temps, donc ça m'agace énormément. Mes auteurs favoris en prose. Paul Fort. Le bonheur est dans le pré. Cours y vite, le bonheur est dans le pré. Cours y vite, il va filer. Si tu veux le rattraper. Cours y vite, si tu veux le rattraper. Cours y vite, il va filer. Voilà, le bonheur de Paul Fort. Et bien sûr, Verlaine. Mes héros favoris dans la fiction. Ma Superman, pour pouvoir voler avec lui. Lol. Ça, c'est mon esprit comme ça. C'est l'esprit civil, hein. Superman, genre, pouf, il y a la guerre dans le monde, il y a partout. Non, elle veut voler avec Superman. Mais parce que Superman, il peut aussi sauver le monde. Bref. C'est Superman. Mes héroïnes favorites dans la fiction. Bah, Wonder Woman, pour sauver le monde. Parce que le monde, en ce moment, il part en cacahuète. Les séismes, le terrorisme, les catastrophes naturelles. Wonder Woman arrive et ouf! Et voilà, elle sauve le monde. Pas beau ça? Mes compositeurs préférés. Ben, je les aime tous. En musique, ben, ça va de Michel Legrand à Obispo, à Goldman. Michel Legrand, c'est les parapluies de Cherbourg. J'aime aussi les Demoiselles de Rochefort. Voilà, tout ça, tous ces compositeurs. Mais je n'ai pas vraiment de compositeur favori. Par contre, mes peintres favoris, je vous jure, il n'y en a qu'un. Mais je l'aime, paix à son âme, paix à son âme. Mais je l'aime vraiment, mais vraiment d'un amour puissant. C'est celui qui m'a inspirée pour faire mes peintures. En plus, on a le même problème, je pense. Il s'est coupé l'oreille, c'est pas pour rien. Peut-être qu'il avait des acouphènes. Et à l'époque, on ne savait pas ce que c'était les acouphènes. Et moi, j'ai le même problème que lui au niveau de l'oreille. Et voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment Van Gogh. Van Gogh, je l'aime à la folie. Je l'aime pas, je l'adore. Mes héros dans la vie réelle. Mes héros dans la vie réelle. Bah, mes héros dans la vie réelle, c'est Mandela. Nelson Mandela. Tout simplement. Et un ami qui s'occupe des Roms. Voilà, tout simplement. Mes noms favoris. Sybille, c'est joli, Sybille. Moi, j'adore. Merci, maman. Jennifer, Jessica, Steven et Yannick. Bien sûr, j'ai choisi mon fils Yannick. J'adore ce prénom. Ce que je déteste par-dessus tout. La haine. La haine, je déteste. La haine, ça englobe plein de choses. La méchanceté et bien sûr, la mauvaise foi. Le personnage que je maîtrise le plus, bah bien sûr, c'est Hitler. Bah ouais, il n'y en a qu'un, c'est vrai. Il n'y a que lui, quoi. Le fait militaire que j'estime le plus. Que j'estime le plus. Ah, que j'estime le plus, mais qui est parti. Le service militaire. Je trouve cela très important. Tous les jeunes devraient faire le service militaire pour voir ce que c'est que la discipline. C'est très important. Vous voyez, en plus, je fais comme ça. Pour moi, c'est important. Je veux que le service militaire revienne. La réforme que j'estime le plus, eh ben je dis, je vais être vulgaire, hein, mais il y en a qui ont des couilles. Le Brexit. Bah ouais, le Brexit. Je trouve que c'est une belle réforme et tant mieux, ils ont osé. Eh ben, moi, je trouve ça super. Il faut le faire et ils l'ont fait.
le don de la nature que je voudrais avoir. Deviner les choses. La télépathie. Mais je l'ai un petit peu, ça. La voyance aussi, la médiumnité, tout ça, je l'ai un petit peu. Le don que j'aimerais avoir, c'est tout simplement réunir les gens, qu'il n'y ait plus de guerre entre eux. Ouais, c'est ça, tout simplement. Voilà, que les gens, enfin pas tout simplement parce que c'est un vaste sujet, hein, que les gens ne se battent plus. Pouvoir avoir ce. Ben Dieu, tout simplement, voilà, Dieu. Dieu, l'aider dans ses tâches. Être un ange gardien et l'aider dans ses tâches. Le don de la nature. Alors, comment j'aimerais mourir? No comment. Très vieille. État d'esprit actuel. Dites-moi en commentaire comment je suis en état d'esprit actuel, je vous le dis pas. Faute qui inspire le plus d'indulgence. Ben, je dirais les petits larcins. Et puis si la personne s'excuse, bon bah je serai indulgente, mais j'oublierai pas. Enfin si j'oublie, mais je pardonne pas. Mais par contre, je ne suis pas rancunière. Et ma devise? Alors ma devise, j'en ai deux. J'en ai une particulière, c'est à la vie. À la vie. Et l'autre devise, mais c'est une phrase japonaise. Nam-myoho-renge-kyo. Voilà, ce sont mes deux devises. Et carpe diem, voilà, tout simplement. Je vous aime, mes amis. Si ma vidéo vous a plu, mettez un pouce. Si elle ne vous plaît pas, la 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 la, regarde à toi. Et abonnez-vous. Bisous à mes nouveaux abonnés et à mes choubidous qui vont bientôt devenir des choubidous. Bisous.